C'est en avril 2014 que les propriétaires d'une maison de la région toulousaine tombent par hasard sur un tableau dans leur grenier. Intrigués, ils contactent un commissaire-priseur qui découvre d'abord une toile poussiéreuse. Quand je le vois, il est abîmé sur le côté droit et puis surtout il y a un grand brouillard blanc devant. C'est la saleté en fait qui empêche de voir la réelle qualité du tableau. On devine une belle composition, même sans forcément tout voir, mais c'est vrai qu'il a besoin d'être un peu nettoyé. Nettoyé et surtout examiné dans ses moindres détails. Le tableau est envoyé à Paris. Pendant 2 ans, il sera radiographié, passé aux infrarouges et surtout montré aux plus grands spécialistes. Très vite, on parle d'une œuvre de Caravage, peinte il y a plus de 400 ans, représentant une scène biblique, Judith décapitant Holoferne. Pour l'expert Éric Turquin, son authenticité ne fait pas de doute. Caravage est un artiste qu'il faut juger à sa matière. C'est dans la matière que vous jugez un artiste comme celui-ci. C'est dans des détails comme celui-ci, dans le bout des ongles noirs d'une servante et du soldat. C'est dans les éclats que vous pouvez avoir sur les ongles, par exemple, comme vous avez ici. Ou dans cet extraordinaire traitement de la main qui est peinte comme une nature morte. Le tableau a été estimé à 120 millions d'euros. L'État français a 2 ans et demi pour acquérir ce trésor. Passé ce délai, l'œuvre pourra être vendue dans le monde entier.